Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 4 mai? Je vous souhaite du fond du cœur une très bonne fête à toutes les mamans. C'est notre jour aujourd'hui et on attend nos cadeaux. Ah là là. Il est midi 57. Alors, ce matin, j'ai pris ma douchette. J'ai remis ma salopette d'hier. Bon, elle n'est pas sale, hein, mais je ne vais pas rester toute la journée avec. Hein. En fait, je l'ai remis vite fait parce que je suis partie chez Leclerc. J'ai pas fait mes cheveux. Pourquoi? Parce que Julie va faire ma couleur tout de suite l'après. Et après, je me mets une belle robe pour ma fête. Et puis, je suis invitée chez Amélie à prendre le gâteau là-bas et le café, etc., etc., avec les enfants. Donc, en fait, on est parti chez Leclerc pour acheter des packs d'eau parce que c'était sur la promotion de la semaine. On a été, il n'y en avait pas. Je ne sais pas. Du coup, bah, on a acheté quelques petites choses à manger, hein, comme d'habitude. Et du coup, après, on devait aller à la boucherie pour aller chercher de la viande pour Vincent. Il y avait une grande braderie. On ne pouvait pas passer en voiture. Donc, bah, tant pis. Hein. On ira mardi parce que le lundi, c'est fermé. Donc, on ira mardi. Là, on vient de finir de boire du café parce qu'en rentrant, on a bu un café. J'ai mangé deux morceaux de pain avec le fameux pâté du copain qui nous a ramené hier. Franchement, il est délicieux. Donc voilà, allez, je fais un peu de place. Et puis c'est parti, on y va. J'ai acheté quelques petites choses chez Leclerc. Alors, on va commencer par le surgelé. Comme ça, après, je pourrais le ranger directement. J'ai pris un sachet d'haricots verts extra fins Bon Duel. Alors, moi, ceux-là, je les adore. Ils sont trop bons. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit pot de pesto vert parce que je vais faire un cake pesto mozzarella épinard. Donc, j'ai pris un petit pot. Eric s'est pris une tartinable au poulet écurie. Donc, il s'est pris ça. Voilà, comme ça. Il a voulu ça. J'ai repris du cassoulet. Alors, j'ai pris deux boîtes marque Repère. Alors, celui-là, il est très bon. Franchement, il est très bon. Moi, d'habitude, je prends le William Sorin. Et une fois, quand j'ai goûté celui-ci, qu'il est en promotion chez Leclerc, je l'ai goûté et franchement, il était excellent. Donc, j'ai pris deux boîtes. En fait, ça, c'est vraiment pour dépanner. Hein. Quand, par exemple, je suis toute seule ou Eric, il est tout seul le soir. Donc, c'est vraiment en cas de dépannage. J'ai repris une boîte d'haricots verts extra fins également. Hein, Bon Duel. Voilà, je les adore. Ceux-là sont trop bons pour faire une salade de pommes de terre. J'ai repris un camembert Les Croisés de la marque Repère. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait. Franchement, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de promos et bon. Ensuite, j'ai pris de la limonade marque Repère. Celle-ci, elle est très bonne aussi. Donc, moi, je fais des Diabolo à la menthe. Et je lui dis Diabolo citron. Voilà. J'ai repris un paquet de riz parce que je n'en avais plus. Du riz blanc. Donc, j'ai pris Oncle Ben's. C'est le meilleur. Moi, je l'aime bien celui-là. Ensuite, j'ai pris pour les enfants un friche thé à la pêche. Alors, quand on rentre chez Leclerc par chez moi, il y avait, vous savez, pour faire les boissons bubble tea. Moi, j'adore ces boissons-là. Quand je vais à un match, je me prends toujours un gobelet, je paye ça 5 euros. Et là, ils vendaient les billes à 9 euros, 9,50 euros. Et la boisson qui fait un gobelet, hein, 5 euros. Ben, je dis un problème. En fait, les billes, déjà, il y en a beaucoup trop pour une canette. Donc, il faut acheter combien de canettes? Je trouve que ça revenait trop cher. Il vaut mieux acheter directement le gobelet, en fait, à 5 euros.
Ensuite, j'ai pris des petites boules de pain comme ça. Donc, j'en ai mangé deux, moi, déjà. Des petites boules de pain. Alors, quand je vais chez Leclerc, je prends toujours ceux-là. Ils sont excellents. Ensuite, j'ai pris une petite couronne, comme ça, une marguerite gratinée avec plein de... comment plein de graines. Je vais y arriver. Donc, celui-là est excellent également. J'ai vu ça en promotion, un mix d'apéro Tokapi. Alors, il y a des boules tomates, boules fromage, snack cacahuètes et c'est tout. Voilà. J'ai pris ça. Ah oui, il faut bien que je me fais plaisir. Des Skittles. Alors, ceux-là, ils sont trop, trop bons. Ils sont super chers, n'empêche-les. J'arrive pas à parler ce matin. Ils sont super bons, les Skittles. Et moi, le paquet rouge. Ensuite, j'ai pris... Bah oui, il faut que je me fais plaisir. Des Malteser. En fait, quand j'étais à l'hôpital vendredi, j'ai été au distributeur de l'hôpital. J'ai pris un petit paquet de chips. Alors, j'en avais à la maison, hein, mais je l'avais oublié. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas et je vais m'en prendre un. Vous savez combien j'ai payé de paquet de chips? 2 euros. Et un petit paquet de Malteser, 1,50 €. Franchement, je suis très gourmande et je l'ai acheté quand même. Je ne l'ai pas dit à Eric. Hein. Sinon, il m'aurait dit, mais ça va pas, c'est trop cher et tout. Tropico. Du coup, là, j'ai pris un paquet. Comme ça, j'en aurai pour la séance. Bah oui, faut que je me fais plaisir. Des bonbons Haribo pastèques. Alors ça, c'est tuerie. Moi, je les adore. Ils sont trop bons. Il n'y a que moi qui en mange. Hein. Eric, tout ce qui est mou, tout ce qui a du blanc sur les bonbons, il n'aime pas. Donc, c'est pour moi. Et en bonbons, franchement... Il n'y a que moi ici. Eric a tout petit peu. Julie, pas du tout. Alors, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est très, 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 très rare. Et moi, Ensuite, j'ai pris du chocolat pâtissier parce que je n'en avais plus. Et cette semaine, je pense faire des cookies et peut-être un moelleux au chocolat. Donc, j'ai pris deux tablettes de la marque Repère. Il est très bien aussi, celui-là. Pardon, j'ai le hoquet. Dans la même gamme, j'ai pris chocolat blanc. Parce que j'ai envie de faire un... c'était quoi déjà? C'est pas un tiramisu? Bah si, je crois que c'est un tiramisu à la framboise. Oh, je sais plus. J'ai vu une recette. Mais en fait, c'est parce qu'Eric aime pas trop la framboise. Donc, je vais voir. Je l'ai quand même acheté. J'ai pris une tablette de chocolat noir Côte d'Or à 70% Atos pour Julie. Parce que Julie aime bien manger son petit carré de chocolat noir le soir. Donc, je lui ai pris son chocolat. J'ai repris de levure fraîche pour le pain, la brioche, etc. Eric s'est pris un gros pot, une grosse barquette de beurre plantafin. Tartine et cuisson, hein, mais lui préfère tartine. Il aime bien le plantafin. Et celui-là, c'est le demi-sel, je crois. Oui, le demi-sel, parce que le doux, c'est le jaune. Et le bleu, c'est demi-sel. Donc, il n'y a que lui, hein, parce que moi, le demi-sel, je n'aime pas du tout. Pour Julie, je lui ai pris un saucisson comme ça, poulet rôti. Alors, on n'avait jamais testé. Donc, on va tester. Je vais faire une goutte parce que j'ai soif. J'ai pris un gros lot de 12 pains au lait. Alors, j'ai pris ça et je voulais mettre les barres de chocolat. Pardon. Vous avez les barres de chocolat Milka. Et je les ai oubliées. Donc, c'est pas grave, j'en achèterai demain. J'irai là à Match ou Intermarché, c'est pas bien grave. Moi, j'avais envie de rôti de porc. C'était le dernier morceau à la boucherie chez Leclerc.
Donc, du coup, j'ai pris un rôti de porc dans le filet. Il était à 9,84 € le kilo. Alors, il me le pèse. Il me dit, il y a 1,22 kg. Ça ira? Bah, oui. Sinon, non, enlève-les les 22 grammes. Je veux 1 kilo. Ou offre-moi les 22 grammes. Ah ouais. Il est très très beau. Ah! Il est beau, hein? Donc voilà. J'en ai eu pour 9,97 €. Et Eric a pris un lot de deux lapins. Deux lapins, le kilo était à 7,99 €. Donc ça vaut le coup, hein. On en a eu pour 24,40 €. Voilà pour les courses du dimanche pour cette fête des mères. Du matin, on part chez Leclerc. Bon, c'était pour les caisses d'eau, hein, mais on a pris. De toute façon, on revient toujours avec des petites choses. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais ranger toutes les courses. Eric est en train de arroser le jardin. Je vais vous faire montrer comment ça a poussé. C'est un truc de fou. Je vais vous faire montrer ça. Julie est sur le salon de jardin. Elle est en train de déjeuner. Un petit déjeuner très copieux comme hier à peu près. Voilà. Vincent, lui, est reparti chez lui hier soir. Il était fatigué parce qu'ils ont fait de la moto toute la journée hier. Julie a fait de la moto. Vincent, mon neveu, ma nièce et mon beau-frère. Et ah, mon nez gratte. Et du coup, ça les a fatigués. Hier soir, on a passé une excellente journée, une excellente soirée, pardon. La famille est repartie à 1 h du matin. On a été couché à 1 h 30, nous, parce que temps de prendre la douchette après et puis de ranger un peu la table. Même le temps que Eric. Non, pardon. Le temps que moi je vais à la douche, Eric s'est endormi dans le fauteuil. Donc moi je l'ai laissé. J'ai monté. J'ai pris mon nouveau oreiller. Alors je peux vous dire que je vous les conseille. Comme ça. Le top du top. Alors demain je vais chez Action et j'en rachète un lot, voire deux. Je sais pas, on verra. Franchement, top. J'ai super bien dormi. Eric, du coup, s'est endormi dans le fauteuil jusqu'au matin. Donc moi, j'ai bien bien dormi. Franchement, trop bien dormi. Je me suis réveillée à 9 h. Et du coup, après, on a déjeuné. Enfin, déjeuné entre guillemets. C'est pas trop déjeuné. On n'avait pas mangé. On a bu notre café et on est parti. Enfin, on a pris la douchette et on est parti directement chez Leclerc. Parce qu'après, ça ferme à midi et ça va trop vite. Voilà. Franchement, on a passé une superbe soirée hier. C'était trop cool. On a bien rigolé. Ça fait trop du bien. Et du coup, aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, moi, je vais ranger un peu la maison. Il n'y a pas grand-chose. Le lave-vaisselle est en route. J'ai de la lessive à faire. Un coup d'aspirateur. Et puis, le linge à plier. Voilà. Le linge sec d'hier à plier. Et pour aujourd'hui, je ne fais rien d'autre. Après tout, c'est ma journée. Hein. Voilà. Donc, je ne fais rien. Après, s'ils veulent faire du ménage, je ne les empêche pas, moi. Ils peuvent. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là. Enfin, pour les courses, hein. Le vlog n'est pas fini. Hein. D'ailleurs, en parlant de vlog, je vous dis qu'on est telle date, telle date, telle date, mais je ne vous ai pas dit. Bienvenue chez Simplement Moi. Voilà. Et puis voilà, je vais vous faire montrer le jardin après. Et puis après, je vous ferai montrer ma tenue. Je vais mettre ma nouvelle robe que j'avais achetée chez Shane. On a rendez-vous chez Amélie à 4 h 30, juste pour le goûter. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte d'ouvrir le cadeau qu'ils m'ont acheté. Franchement, si j'ai pas le robot, je serai quand même un petit peu déçue. Si j'ai le robot, je vais verser ma larme, c'est sûr. Mais après, si j'ai un autre cadeau, je serai contente également. C'est pas la question. Mais je m'attendais plus à avoir ce cadeau-là. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Comme j'ai dit, si je l'ai pas, je me le commande dès cette semaine. C'est sûr. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Parce que ça fait 15 minutes déjà que je papote. Et si je continue, ça va faire 30 minutes. Vous me connaissez maintenant. Hein.
Donc là, je vais dire à Julie qu'elle fait mes cheveux. Après, je mets ma belle robe, je me maquille et je vous fais montrer ma tenue. Alors, je vous fais montrer l'évolution de notre petit jardin. Alors, regardez là, comment ça pousse. Là. Ici, j'ai une petite fleur de la tomate qui est en train de pousser également. Les salades. Là-bas, on a aussi une petite fleur, juste là. Voilà, la menthe, elle n'arrête pas de pousser, hein, partout, partout, partout. Hein. Voilà. Et là, regardez-moi ces myrtilles, qu'elles ont bien, bien, bien poussé. Là, ici, trop, trop bien. Et là, les petites framboises. Là, et là. Et là, Julie avec réglisse, tranquillou. Et là, regardez, j'ai des pêches. Et tout en haut, je sais pas si vous allez voir, j'ai des nectarines. Alors pourtant, l'arbre est pas très net, hein. Il n'y a pas beaucoup de feuilles. Mais tout en haut, j'ai des nectarines. Et là, des pêches. J'en ai une ici. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres de l'autre sens. Ici, regardez là, il y en a aussi. Là, là. J'en ai un petit peu partout, mais l'arbre est malade aussi. Là aussi, j'en ai. Là aussi, on a des pêches. Voilà. Donc voilà, vous avez vu mon jardin? Trop beau. Franchement, il a poussé d'un coup un truc de fou, quoi. Les myrtilles, c'est la première année que j'achète un petit arbre comme ça et il donne déjà. Franchement, je suis trop trop contente. Et en fait, tous ces plants que j'ai achetés là viennent de chez Floralux. Alors franchement, Floralux, c'est idéal pour les plantations et même les arbres, hein, tous les arbres fruitiers que j'ai, ça vient de chez Floralux. Voilà, bon allez, on va ranger mon Royal Gratte. Julie, elle est sur le transat, hein, là-bas, et avec Réglisse. À moitié, il se promène, fait sa vie aussi, lui. Hein. J'étais en train de lui dire, viens faire ma couleur, Julie. Elle me dit oui. Du coup, bah, je vais ranger la table. Elle va faire ma couleur. Comme ça, je serai tranquille. Quand on a rendez-vous, pas avant 4h30 chez Amélie. Donc, on a un peu de temps. J'ai le temps de me préparer, de me faire jolie. On va pas dire belle, on va dire jolie. Voilà. Voili, voili, voilou. Allez, Eric va couper le lapin. Je sais pas si on va en faire un aujourd'hui pour ce soir, mais je pense pas. Ce sera peut-être pour demain, plutôt. On va le faire à la mijoteuse avec de la purée et des haricots verts. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fini la petite vaisselle à la main et avec ça, à laver à la main. Donc là, j'ai terminé. Là, j'ai rangé mes pots de yaourt. Et là, je suis en train de me faire à manger. Du poisson pané. Là, c'est un fish and chips, haricots verts et le reste de poisson pané. Donc, je vais manger ça parce que j'ai un petit peu faim. Bon, je vais pas tout manger, hein. C'est en train de cuire. Et puis voilà. Donc, en faisant la vaisselle, j'ai mis mon casque parce que je suis en train d'écouter des vidéos. Parce que j'ai loupé beaucoup de vidéos hier soir. Donc je suis en retard. Donc en faisant le ménage, en faisant le ménage, je mets mon casque et j'écoute les vidéos. Et là, il est quelle heure? 15h12 et je suis toujours pas prête et toujours pas la couleur non plus. Donc j'ai lavé tous les plaids du salon, j'ai plié tout mon linge. Regardez. J'ai tout fait le linge. Et ça, c'est le linge à repasser. Et ça, c'est à Julie, son blouson et tout à ranger. Ici, c'est une parure de drap que je dois ranger avec un oreiller. Là, c'est l'oreiller à Vincent avec sa taie d'oreiller. Plein, plein de choses à faire. Donc, je finis ça. Après, j'irai prendre ma douche, laver mes cheveux et mettre ma belle robe pour aller chez Amélie. Il fait chaud. Je ne sais pas combien de degrés il fait. Il fait 31 degrés dehors et 23 degrés dans la maison.
Et il n'y a que la porte de devant qui est ouverte. Derrière, j'ai fermé. Derrière, c'est fermé. Vous voyez, j'ai lavé tous les plaids. Comme ça, ils seront bien propres pour ce soir. Là, on a lavé un petit peu réglisse dehors. Ça lui a fait du bien. Ça l'a rafraîchi. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon, voilà. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Tranquille. Là, je passe à la douche. J'ai préparé ma robe. C'est celle-ci que je vais mettre. Je vais mettre ça. J'ai essayé. J'espère que ça va faire quand même beau sur moi. Hein. On verra bien. Une bonne douche, ça va faire du bien parce que j'en ai trop besoin. Wow, il est fou lui. Il bouge comme ça. Bon, allez, je me dépêche parce qu'il est déjà 15h30. On a rendez-vous à 16h30. Mais on va arriver un petit peu avant. C'est chez ma fille. Hein. Donc, hein, il n'y a pas d'heure, elle empêche. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai pris ma douche. J'ai lavé mes cheveux. J'ai mis des petites boucles d'oreilles. Alors, je ne sais plus d'où ils viennent. J'ai mis du bleu aux yeux. J'ai mis du highlighter. Je ne sais pas si on va le voir. Un petit rouge à lèvres nude marron. Et là, je vais faire sécher mes cheveux. Alors, je vais vous faire montrer ma robe quand même. Voilà. Attendez, je vous tourne. Voilà, ma petite robe. Elle est comme ça. Vous voyez ? Avec la petite ceinture ici. Voilà, je la trouve très jolie quand même. Très très jolie. Elle est belle. Bon, après pour le prix, elle coûte pas cher non plus. Hein. Allez, on va faire ses cheveux. Je suis pressée d'avoir mon cadeau. J'espère que vous avez été gâtés aussi, vous, par vos enfants. J'ai mis mon parfum. J'ai mis le trésor. Je dis à Eric, il n'en reste plus beaucoup, hein. Allez, sèche, cheveux, arme. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire la couleur. Tant pis. Je crâne. Peut-être je remets pas de cadeau. Bon, après je m'en fous. Le principal, c'est que mes enfants sont là. Tout ce qui compte. Ah, oh, j'ai des nœuds. Voilà. Allez, go, je suis prête. Hop, on range. Tapis ouvert, tout est nettoyé, tout est rangé. Go, c'est parti. Bon, voilà. Je viens d'arriver chez Amélie. Je suis dans son jardin, dans son transat. En plein soleil, avec Julie. Julie. Non. Julie. Ouais, ouais, ma robe, elle s'est soulevée. Là, c'est combien de temps, là? Ah, oh, ça fait du bien. En plus, on a le soleil juste là, Julie. On va bronzer, on va prendre des vitamines D. Ah. Soleil, 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 soleil. Du bien. Ah. On attend Pré Vincent, il va arriver. Il va arriver. Ah, tu mets bien beaucoup de chaises. 2, 3, 4 sacs. Ah ouais. On a 5. Non, on a 6. Hein. Ah, Quentin, il reste debout, c'est rien. Il veut grandir. Il est déjà grand, lui. Là, c'est les motos à Mehdi. La bleue, c'est Quentin. Et la noire, c'est Mehdi.
quelques révisions dessus. Après, t'es petit, t'es petit. Ah, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que ça fait mal aux yeux sinon. Robert se soulève, attention, il y a des messieurs ici. Vincent est arrivé avec sa moto. Voilà sa moto. Ça, c'est sa moto. Elle est là, sa moto. Bon, c'est une 50 à Vincent. C'est une 50 qu'il a eu pour ses 18 ans. Parce qu'il faut savoir que Vincent, quand il a eu 18 ans, moi j'ai eu 40 ans. Donc on a fait une grosse fête notre anniversaire. Hein, alors, moi, Quentin, je vais dire n'importe quoi. Quentin, c'est mon beau garçon. Vincent a eu sa moto. Et moi, par Eric, j'ai eu ma moto, mais 125. Donc voilà. Et là, Vincent a envie de passer son permis de moto. Et Julie également. Donc je pense pour septembre, ils vont passer leur permis. Voilà. Vincent, n'empêche, il a été vite parce que nous, on vient d'arriver et Vincent, il est saqué quand même. Bah, dis donc. Monsieur qui bronze. Et quoi? Ah, voilà le gâteau. Gâteau. Ça, c'est quoi ça? Coca-Cola. Je bois plus de coca, tu fais exprès ou quoi? Aussi, attends, je voulais acheter des baguettes, du pain, genre un pain. Les petits gâteaux, elle a acheté ça parce qu'il n'y a plus rien à la boulangerie. Et, oh, je prends pas le dernier jour non plus, hein. Et moi j'étais chez Leclerc, il n'y avait rien. En gâteau, il n'y avait rien. Il restait que ça? Je voulais prendre des petits pains. Bon, bah moi, c'est le millefeuille, moi. Celui-là, il est trop bon, j'ai trop aimé. J'ai déjà choisi, c'est mon millefeuille. Millefeuille à Coca-Cola. Ah là, t'as pas de champagne? Ah, pas au frais. J'ai mis deux bières au frais. Ah, de la bière. C'est quoi comme bière? C'est quoi comme bière? La petite, là. Ah, je sais pas. Faut pas demander, alors. Ils ont tous mes lèvres. Ils aiment pas la bière, moi, je t'ai vu. Qui? La brasserie à Kérem. Ah, ils aiment pas? Bah, non, ils aiment pas voulu hier. Café, turquie, bière. Vous connaissez sûrement. Ah, fais voir, c'est quoi la bière, déjà? Si, on va saouler la gueule. À consommer avec modération, la bière. Vincent, tu veux une bière? Non, pas la tête. Ça va pas la tête. Julie, tu veux une bière? Je suis pas d'humeur à boire une bière. Hein? Du multifruit. Du multifruit? Il y a pas. Ah bah ouais. Elle est au fraîche? Elle est au fraîche, ouais. Je sais pas, toi. C'est pour toi, moi j'en veux pas. J'ai pas beaucoup de bière aujourd'hui. Allez, c'est bon, viens t'asseoir. C'est pas plus cher. T'es chez toi, c'est toi. Un coca bien frais. Et il fait beau aujourd'hui. Hein. C'est quoi? Elle est pas fraîche. Mais elle est en congélateur. Alors là, c'est du chocolat noisette. Ah, c'est le gâteau. Moi, je vais goûter. Par contre, elle a des grands verres. Bah, qu'elle avait pris. Je le remplis pas. Quand tonton Noël était venu. Et bien, ça, c'est en miniature. Alors, je voulais vous faire montrer les petits chats. Regardez-moi cet arbre, un chat immense. Alors là, c'est Zeus, c'est bébé Zeus, et là, Hera, Hera, Fifi. Elles sont tranquilles là, et Zeus tranquillou. Alors, ce n'est pas des frères et sœurs, hein. Pas du tout. Hein. Zeus, il a 3 ans. Hera, elle va seulement avoir 1 an. Ah, Hera! Voilà, c'est les petits chats de Amélie. Bah, elle me ramène mon cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Ah, du coup, c'est ça qui va pas? Hein?
Non, je pars pas quand. De toute façon, le frein avant, c'est le cadeau. Le primordial, c'est l'arrière. Ah, il est pas emballé en fait. Il n'y a pas de papier cadeau. Ouais, pas de papier cadeau. L'arrêt d'urgence, c'est les deux à la fois. Oui, je sais, mais quand je fais mes deux à la fois, c'est plus derrière, c'est plus vite. Non, mais là, c'est si haut. Ouvrez-le pas, mais les deux. Tu l'avais pas vu, ça? Ah, bah non, c'est pas vu. Oh, ouais. C'est beau. C'est où ça? Ah, c'est chez des Ramons. C'est un tablier, le truc noir? Ouais. C'est un sac. Ah, ouais, S, un comme super maman. Les faillottes. Donne du chocolat. Les faillottes. On va goûter. Ouais, mais 30 balles, un jean. Bah, on s'en fout. Mais papa dit quelque chose, merde. Avec son dos, tu me le prends pas. Pour faire son barbecue. Non, moi je voulais acheter en cuir, il n'y en avait plus à faire. Mais toi, c'est ça qui est chiant. Ouais, bah moi je fais un autre. Regarde, ça met. Waouh! Waouh! C'est quoi mon truc? Ah, c'est avec des fraises. Alors, ça te va bien. Ça te va bien, ouais. Ouais, ça te va pas mal. Je vais leur faire montrer. Faire un bisou quand même. Regarde, faire un bisou quand même. Merci. Le tronc, il est ici. Remets-toi en arrière. Ah ouais. Papa, il a participé ou pas? On va avoir des problèmes, on va appeler carrément encore. Ah, bah oui. Papa, t'as participé? Fais ça le soir quand on dort. Problème, on sera obligé d'appeler Karine. Par contre, il y a combien de chocolat? Par contre, regarde, ils sont mélangés là, ça va pas. Vous voulez goûter un chocolat? Je sais pas si c'est chocolat noir, je veux bien, mais sinon, non. C'est pas écrit, hein, Julia. On n'a pas, je m'en fous. C'est pas écrit. Hein. Du coup, bah, ce sera ma nouvelle tasse, ça, moi. Ça sera ma nouvelle tasse. Ouais, c'est fou quand il va se battre, tu lui diras. Tiens, on va acheter avec une petite de merde. Alors, vous voulez un chocolat? Non, merci. Il va se casser ta gueule, le voisin. Ouais, n'importe quoi. Ah, peut-être qu'il voulait le couper, mais il n'y avait pas courage. Bah, non, mais c'est derrière son abri. Ouais, je prends pas ça là. Bon, c'est bien. Mais... Ah, quel soleil il va faire là. Après, tu leur dis les arbres sont tombés tout seuls. Tu veux un comment? Bah là, il y a un chocolat noir, je lui dis, je pense. À quoi? Non, pas lui. Ah, c'est lequel? Lui. Celui-là? Et toi, sans verre? Moi, j'aime pas le chocolat noir. Il y en a au lait. Shopping, la semaine prochaine. En plus, il y a une belle collection. Eh ben, j'ai racheté mes coussins. Ouais, qui habite trop. Mes oreillers. J'ai une robe, en fait, c'est Nazara, tu sais, c'est clair. Ah oui, un peu le même, mais en bleu, vert, tu vois, un kiabi. Elle est pas mal. T'as pas mis tes vêtements que tu les as pas remis? La robe et tout. J'ai mis la robe hier, la robe de l'ex. Là, tu l'as lavée, c'est nickel. Ouais. Par contre, la jupe verte, donc la tache là, elle est partie. Mais tu sais, quand j'avais mis de la crème solaire, il y avait une goutte qui était partie là, et il y a la tache. Donc je pense que je vais prendre du vanille et je vais faire comme ça. Sinon. Ouais, sinon essaye avec du. Comme les trucs à maman là, les. Non, mais c'est un peu blanc. Non, bah moi, je qui c'est qui a été chercher le coffret chez... Ah, qui c'est qui a été chercher le coffret chez... C'est moi. Bon. T'as vu tout ce qu'il y avait? Bah, elle en avait plus beaucoup. Ah ouais, tu m'étonnes. Et elle me fait rire les deux vieilles dedans. Pourquoi? Je sais pas, elle me fait rire. Moi, à chaque fois que j'y vais, elle me papote des heures et des heures. Ouais, grave. Elle me connaît. Moi, quand j'ai été là, Noël et tout... Je vais aller où? J'ai fermé son site, j'avais rendez-vous à 18h30. Après, j'étais à Primark. Après, je suis repartie, j'étais à Cultura. Je suis restée longtemps avec la meuf qui papotait une demi-heure là. Et je regarde Kaby ferme à 20h. Je suis sortie de Cultura, il était 19h47. 19h47 et je suis rentrée chez Cultura. Je savais plus où c'était Kaby. Ouais. J'arrivais plus à me. À côté de Babou. Ah, mais tu vois, c'est parce qu'on. Boulanger, à côté de Boulanger. Oui. Bah ouais, mais tu vois, du coup j'ai attendu, tac, 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 tac. Puis il y avait, puis à Kaby aussi, ils ont changé un Noël, c'est beaucoup de caisses minutes et tout. Ah ouais, attends, Bah ouais, il est plus grand Noël, du coup je pense que t'as dû voir plus de trucs que moi j'avais vu à... Eh. Ah, bah, c'est ce qu'il me dit, papa. Attends, c'était pas hier, on va en cuire. Amélie.
C'est ce qu'il me dit. La semaine prochaine, je vais avec Amélie choisir mon costume. Ah ouais. Et je dis, ouais, je le sais, hein. Je dis, elle m'a appelé. Je dis, franchement, tu me dirais pas, bah, tu viens avec nous. Ah non, il va être qu'avec moi, laisse-le. Bon, attends. T'as vu, elle est jalouse. Pas que tu le vois. C'est plutôt elle qui doit pas le voir. Pourquoi? Bah, quoi, pourquoi? Bah, parce que déjà, il veut pas celui qu'on a choisi. Pourquoi? Bah, tu l'as même pas fait montrer. Il a dit, il veut pas un costume. Un jogging. Lequel? Le Célio. Tu m'as dit que tu veux pas un costume, tu veux un truc que tu peux remettre après. Oui. Un costume, tu peux remettre quoi. Ouais, mais pas, je veux dire, un costume quoi. Mais non, c'est pas un costume là. Ça avait fait voir. Une veste et un pantalon, ah, c'est bien. Ouais, costume, on a vu assez deux, on a fait un montré, c'est presque pareil. Bah oui, tu vois, c'est le jeu. Celui-là qu'on a vu, tu vas kiffer. Et c'est beau, ouais. Un pantalon, une veste et tout. Tu peux remettre le pantalon après. Et la veste, tu peux la mettre avec un jean, franchement. Bah, ils vont pas faire ça. Un beau jean, ça claque, hein. T'en sais rien. Bah, tu fais jamais. T'en sais rien. Pourquoi t'es chez nous? Eh, hey, hey, c'est pas la merde. On se bat. Ils sont positifs. Ouais, c'est fou, lui. Eh, baisse tes mains. Vous allez vous montrer celui-là? Ah, ouais, bah, j'ai le même. Ah, ouais? Bah ouais, à Lidl. Télescopique. Bah, ouais. C'est même pas. Tu peux couder et tout, appuyer sur le bouton. Ouais, c'est ça. C'est bien qu'on ait abonné chez Lidl. Il est trop bien, enfin. Faut pas laisser les batteries dessus. Comment? Faut pas laisser les batteries dessus. Ouais, c'est décharge. Tu l'abîmes, bah t'abîmes la batterie, faut l'enlever à chaque fois. Parce que j'ai pas de batterie. Eh bah, c'est pas une raison, ouais. Bah, je vais régler si t'as pas les miennes déjà. Bah, c'est sûr. C'est possible. Il était content, hein. Oh putain, en plus, il y a une batterie. En plus, ton père m'a donné une batterie aussi. Grand batterie. Il était. Oh merde, j'ai oublié de ranger. C'est les grosses. Mais tu sais quoi, Quentin, il faut mettre une grosse batterie dessus. En plus, j'en avais pas de tablier. Tu sais, sur le débroussailleur. Ah ouais. Moi, j'ai la grosse batterie de la péteuse. En plus, j'avais pas de tablier. Tu verrais la puissance. Moi, j'en ai un, il est trop bien. Ah, mais les petites ailes là. Les deux petits nuages là. Que tu peux c'est... Moi j'aurais voulu avoir une poche. Ah, perfo, hein. Ça sert à rien des poches. Ah, c'est mieux. Oui, mais c'est plus. Ouais. Il dégaine. Non, une poche, je trouve ça. Si, moi je trouve que c'est bien. Un peu de farine là. Je trouve que ça sert à rien. Oui, il est bien. Ouais, aussi. Bah, alors tu le mets là. Bah, moi j'ai deux petits trucs là. Mais c'est bon. Puis après, ça fait des paires. Ouais, c'est bon, tu vas te. À l'autre côté de la brise. On va le faire où la fête des pères? Comme ça, comme ça. Ah, répondez pas tous en même temps. Bah, vite, c'est à vite. Hein. Bah ouais, il y a une belle véranda, il ne les va jamais. C'est vrai. Bah ouais, elle est bien sa véranda. Ah non, on reviendra de quin. C'est le dimanche. Le 18. Hein. C'est le dimanche. Ah, ça doit être un dimanche. Ouais, c'est un dimanche. On reviendra de quin. Mais c'est le 18 juin. Tu vas faire un apéro dînatoire. Ouais, j'irai à la boulangerie. Vas-y pas à 11h40, j'ai plus rien. Ah, tu sais ce qu'elle fait aussi derrière moi, elle fait des trucs salés. Ah, oh, je savais pas. Non, des bouchées. Des navettes. Ah, ouais. Ah, ah oui. Ah, ouais, si, je le savais, ouais. Ouais. Il y en a plus déjà. Oui, comme ça, ça rompt. Par contre, ici, il y a des bêtes. Bah, là, c'est de l'herbe. Ça s'appelle un jardin. Ah. Bah, non, c'est une mouche, pour moi. C'est une mouche. C'est une mouche. Là, c'est une bête. C'est pareil, une bête, c'est une mouche. J'aime pas ton vernis aux orteils, maman. Ah, il est éclaté. Ah, parce que je suis habillée en rose la dernière fois. J'ai pas de croquettes dans mon jardin, j'ai des trucs de merde comme ça. Ouais, c'est vrai, ça fait des croquettes. Fais gaffe, il y a des fourmis qui montent sur les chaises. Ouais, il y a une. Non, là-bas. Amélie, ouais. Tu vas rentrer tes chaises. Vérifie que t'as pas de fourmis. Ouais, j'en ai que pas. Que dans la marune là. Si, il y en a plein de fourmis. Ah ouais. Ah, ça y est, ils sont sortis, hein, c'est l'été. Là-bas, là. Y en a plein. Ah, tu vois quand. Je j'ai vu c'était quand on s'est vu à votre partie. Il faut bien coller le talon, tu sais. Ouais. Tu vois quand tu m'as dit ouais j'ai plein de trucs, j'ai vu. Sinon ça vibre. Et je t'ai dit ouais je vais. Ah. T'as pas compté, je me suis dit ah merde. C'est quoi ce soir? Parce qu'en fait bah il nous reste des pommes de terre, enfin des restes. On fait des restes. Je t'ai dit bah ouais je sais. La tête qui est verte. Bah ouais il reste des trucs d'hier. J'ai acheté du pain et tout. Par contre, le poulet, il était pas cuit. Pas les cuisses, mais les ailes, je pense. C'est pas des ailes. C'est pas des ailes. Ouais, moi, c'était cuit. Ça dépend lesquelles, ouais. Après, c'est long. Hein. Du poulet, c'est une galère à faire cuire au barbecue. Non, il faut le faire au bouillon avant, je trouve. Oh, ouais, mais non, ça gâche. Pourquoi t'as pris d'abord un petit peu au four, puis après, tu le fais cuire au barbecue. Une grosse cuisse, ouais, tu peux faire des cuisses. Non, mais c'est les où, tu vois. Pourquoi d'abord t'as pas fait au four, et après, tu les fais au barbecue.
Pourquoi bah, fallait le faire. Bah c'est toi qui a commencé. Tu gâches du four après. Ouais, ouais, si c'est... Non, faut le faire au bouillon, moi. Ouais, non, mais... Là, on va tester. On essaiera, voilà. Oh. Bon, on y va. Tu veux. Non, mais c'est que nous, elle a un hack. Non, bah, je vais ranger ta bordel. Ah, one neck. Et chat, il dormait encore. Ouais. Ira est descendu d'un étage. Et des fois ils se battent pour aller au truc de la fenêtre. Ah ouais. Et là dans la fenêtre, elle est dedans. Ira, elle est venue, elle l'a dégagée. Je vais les voir, je vais les filmer. Mais écoutez, les grilles, Ira, c'est pour le mettre dans le jardin, quoi, t'écoutes pas. Les grilles, là, je vais les ramener. Bon, les amis, vous avez vu mes cadeaux? Bon, bah, j'ai pas eu mon robot. Hein. Hey, Ra, Zest, et quoi, Pipi Zest, et Ra. Et bon, je suis contente de mes cadeaux, hein. Franchement, 4 cadeaux, franchement, c'est cool ça, j'avais pas pensé. Et la petite tasse super maman avec le tablier et tout, chocolat, ça c'est trop cool. Je l'avais remarqué en plus chez mon pâtissier préféré. Et je leur avais envoyé justement aux enfants. Du coup, bah, ils me l'ont acheté. Après, ils ont fait selon leurs moyens, hein, c'est normal. Mais je pense qu'ils ne sont pas pour le robot. Donc, bah, je vais me le commander, hein, comme j'avais dit, hein, c'est pas bien grave. Je vais me faire un cadeau pour moi. Voilà, je vais me faire un petit cadeau. C'est pas grave, mais super contente, je vais aller faire du shopping. Alors, Primark, Kiabi et Action. Ouais, yes. Donc, je suis trop contente. Donc, les enfants, ils sont... Vous voyez, Vincent, Julie, Amélie et Monsieur. Voilà, bah, Quentin, je vous fais pas trop montrer parce qu'il est en train de bricoler tout. Et puis là, il coupe un arbre de sureau, je ne sais pas quoi, qui est très grand et qui déborde de partout, donc... Il coupe un petit peu, Eric a ramené une scie pour couper. Ah, ça me gratte à ma jambe. Donc là, on est très bien, on vient de boire le café. Les gâteaux, ils étaient super bons. Et puis voilà, hein, mais je suis fatiguée, franchement. Je sais pas si c'est l'air qui fait ça, l'air de dehors. On était sur la terrasse et en fait, il y a de l'ombre. Du coup, moi, je commence à avoir des frissons. Je dis, caille et tout. Du coup, on est parti au soleil, parce que je dis, on va pas être dans la maison, parce que dans la maison, il fait frais, je trouve. Sa maison est vraiment fraîche. Et du coup, on s'est mis carrément dans le terrain, dans la pelouse, en fait, hein, au soleil. On est bien, là, on est bien. Et du coup, Amélie, elle m'avait demandé sur Snap 2 œufs pour faire du pain. Mais j'ai pas écouté, j'ai pas regardé, en fait. Du coup, elle me dit, bah, t'as ramené mes œufs. J'ai dit, quels œufs? Elle dit, bah, je t'ai demandé sur Snap. Elle dit, appelle-moi quand c'est comme ça. Je ne peux pas savoir, moi. Oh, elle dit, bah, c'est pas grave. Elle dit, j'irai en chercher demain. Et du coup, ils ont bien aimé ma robe. Je suis trop contente. Eric m'a dit, t'es trop belle. Julie, elle m'a dit, ah, oh, maman, t'es belle. Mais elle dit, t'es toujours belle. Ah, les enfants. Hein. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, donc, du coup, j'ai mis mon cadeau ici. Hein. Hop, j'ai mis mon cadeau là parce que dehors avec le soleil les chocolats vont fondre. S comme maman, super maman avec des chamallows. Trop bon les chamallows, moi j'adore les chamallows. Donc voilà. Zeus, il veut aller dans mon petit sac. Non Zeus. Zeus, qu'est-ce que tu fais? Et tu peux pas? Ben non. On peut pas. Ira, elle dort. Ira, elle dort. Ira. Ira. Oh, Fifi. On va pas t'embêter, ma Fifi. Moi, oui. Tu vas faire des petits dodos. Moi, oui. Moi, oui. Bon, allez. Je vais aller les rejoindre parce que sinon... Zeus, il veut prendre mon paquet, mais il n'est pas possible. Hein. On va le mettre ailleurs. Je vais le mettre ici à côté du micro-ondes. Parce que Zeus, il mange tout lui sinon. Hein. T'as fouilleur. Bon allez, je vais dehors avec eux. On se retrouve tout à l'heure à la maison.
Allez, à tout à l'heure. Bonne fête des mamans. J'espère que vous avez été gâtés. Attention les enfants. Si vous n'avez pas gâté votre maman, simplement moi, elle va se fâcher. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous retrouve dans ma salle de bain parce que ben, je vais mettre mon pyjama, je vais attacher mes cheveux, me démaquiller, enlever les bijoux. J'ai allumé ma petite bougie au citron. Et bon, ça fait longtemps qu'on est rentré à la maison, hein, depuis 19h30. Moi je viens de manger, j'ai mangé des coquillettes avec des morceaux de saucisson au jambon. En fait, j'étais en train de faire à manger un macho, des coquillettes avec du jambon. Et je me suis dit, tiens, ça me donne envie, coquillettes au beurre, un petit peu de ketchup. Et j'ai mangé ça également. Eric a mangé des petits chaussons au fromage que j'avais décongelés avec des olives. En fait, on a fait du grignotage. Là, on est en train de faire cuire du poulet. Le poulet qui est resté hier aussi, mais qu'on ne l'avait pas encore cuit. Donc là, on l'a fait cuire au bouillon. Et ensuite, là, on le met au four. Il va prendre ça pour lui demain de travail, avec les petites pommes de terre qu'on a fait au barbecue également. Sinon, bah, une superbe fête des mères. Franchement, les enfants ont assuré les cadeaux. Je les adore, franchement. Je m'y attendais pas, en fait. Bon, vous le savez, ce que j'attendais, en fait. Mais, déjà, je dis, quand j'ai ouvert le coffret, je dis, bah, vous avez acheté que ça? Elle me dit, non, non, il y a encore des trucs dans le sachet. Et oui, c'était les cartes cadeaux. Et je rigolais, si j'aurais eu que ça, Hein. Moi, je m'en foutais, hein, je l'avais dit. Hein. Mais on est quand même content d'avoir des beaux cadeaux. Hein. Voilà. Bon, je suis contente. Et je suis fatiguée, franchement, je suis fatiguée. Avoir reçu hier la famille, aujourd'hui aller chez Amélie, franchement, c'est fatigant. Allez, je vais me démaquiller en même temps que je me papote. Et puis, ouais, j'ai fait une bonne journée. Maintenant, on va préparer la fête des papas. On va discuter avec les filles et Vincent. Qu'on va lui prendre. Aucune idée. Donc je suis contente parce que dans le coffret j'ai eu un tablier, vous avez vu. Moi j'en avais plus de tablier, les vieux, je les avais jetés. Et ce sera bien pour pas me salir en fait. Là, je suis en train de faire une lessive. Et après j'entame ma lessive de blanc parce que je n'ai plus de torchon. Donc je vais faire ça. Il faudra que je rachète du démaquillant. Je vais noter sur la liste. Si j'y vais, oh, je vais accrocher mes cheveux. Si j'y vais cette semaine, bon, de toute façon au magasin j'y vais presque souvent. Hein, maintenant, il manque tout le temps quelque chose. Et puis comme il y a des promotions toutes les semaines, on va plusieurs fois au magasin. Élastique. Ma fille Amélie m'a dit, maman, ta robe elle te va super bien. Je dis oui, je sais. Ouais, franchement je l'aime bien la robe. Au début quand je l'ai reçue, j'aimais pas trop le tissu en fait. Et après je sais pas comment, voilà, voilà, là c'est mieux. J'aimais pas trop le tissu. Et après ben, ça me va en fait. Donc, le bleu quand même c'est dur à partir. Après je vais manger un morceau de fromage. Et mardi je vais faire des yaourts maison. Pas demain parce que demain on est lundi. Je pense que je vais être un petit peu fatiguée demain. C'est là, ça va être lundi donc. Demain, je vais pas faire grand chose. Perk. Oh. Oh. Même quand je me décale. 1, 2, 3.
même quand je me démaquille, j'ouvre ma bouche. C'est pour mieux tendre la peau. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai mis le highlighter. J'avais mis celui-là. Miss Europe. Alors je l'aime pas trop parce qu'il est blanc. Et ça fait poudreux, en fait. Et je crois que celui-là, je l'avais eu dans le calendrier de beauté. Je sais pas si c'était celui de Action, je m'en rappelle plus. Et il est blanc. Parce que moi, je préfère le rose, en fait. Hein. Il est quand même poudreux. Hein. Regardez comment ça fait. Je préfère... Il est blanc. Donc, il n'y a pas de sentiment. Mais je préfère franchement le rose. Donc, bon, c'est pas bien grave. En fait, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Allez, on va refaire un petit passage sur tout le visage. Je vais préparer l'autre colonne. Parce que ça, j'aime bien aussi. Regardez le bleu que j'ai. Je sais pas ce que j'ai fait. Pas du tout. Alors, je disais à Amélie, t'as vu, mes sourcils? Ah bien, bah ouais, ils sont bien. Du coup, je vais expliquer pareil. Hein, vous voyez, moi ici, là, c'est ça en fait. Et moi, je veux bien que ça parte par là. Donc, je voulais qu'elle me les enlève, mais elle me dit, sinon, ça va faire un trou, ça va pas faire. Bon. Et en fait, moi, c'est un épi, en fait. Et j'arrive pas à bien le faire. Donc, je laisse comme ça, c'est pas grave. Vous voyez comment les cotons, ils sont sales avec le maquillage. Imaginez ceux qui font 3 couches de maquillage avec le fond de teint, la poudre, le highlighter, le fard à joues. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. J'en fais mes boucles d'oreilles. Je vais les mettre à nettoyer. Alors, les boucles d'oreilles, on va dire premier prix, hein. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. C'est vraiment des boucles d'oreilles babioles. C'est pas, ça vient pas d'un grand bijoutier. Souvent, je les nettoie dans l'eau de Cologne. Ou dans l'eau, avec un peu de produit à vaisselle. Voilà, sans plus. Pas de chichi. Voilà, les maquillages, c'est bon. Ça, c'est bon, le rouge à lèvres. Je vais le ranger, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. C'est un nude Amaro, beige nude, très clair. Ça vient de mon coffret de chez Action, le lipstick de chez Max & More. Alors, il m'en manque un, je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être dans ma trousse. Je ferai ça demain, c'est pas grave. Bon, du coup, avec la carte cadeau de chez Action, je vais acheter des oreillers. Je vais acheter pardon. Je vais acheter ma poubelle de salle de bain. Et puis j'attendrai qu'ils remettent des boîtes de conservation, vous savez, pour mon congélateur. Parce que ceux-là sont quand même plus petits, ceux que j'ai achetés. Hein. Alors, il a fait encore bien chaud aujourd'hui. Hein. Alors, vous avez vu, Amélie, elle avait acheté des gâteaux individuels. Elle me disait qu'il n'y avait plus rien.
à la boulangerie. Et moi, c'est pareil, hein. J'ai été chez Leclerc, pas de choix en gâteau, rien. Moi, je devais faire la tarte à la myrtille et je devais faire une pavlova aux fruits rouges. Mais comme Amélie, elle m'a dit, bah, venez manger le gâteau à la maison. Du coup, j'ai rien fait. J'ai envoyé un message à ma copine également pour voir si elle a été gâtée. Qu'est-ce qu'elle a eu comme cadeau? Je suis curieuse. Ma belle-sœur, elle a eu des beaux cadeaux aussi. Elle a eu une paire de boucles d'oreilles. Elle a eu un appareil à photo avec le cadran où est-ce que les photos défilent. Moi, ça, j'en ai un. L'appareil à photo, je l'ai aussi. Après, je fais pas un concours, hein. C'est juste pour vous dire. Et elle a eu un bouquet de fleurs. Voilà. Là, c'est bien. Il reste à côté du cou. Hop, je le range dans la trousse. L'autre colonne, je la range. Voilà. Et je vais mettre mon pyjama. Pas la peine que je prends ma douche, hein, parce que je me suis lavée en fin d'après-midi, donc je ne suis pas sale. Je vais mettre un petit peu de déodorant, comme tous les soirs. Je vais mettre le parfum pêche abricot, que j'utilise tous les soirs. Je fais attention parce qu'il y a la bougie. Voilà, je me suis reculée un petit peu. C'est dangereux. La machine, elle est en train d'essorer. Ça va aller vite, hein. Comme ça, je vais le prendre directement dans la maison. Et après, j'entame le blanc parce que je n'ai plus aucun torchon. Donc voilà. Bah, avec ça, bah, je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec moi. Et encore une bonne fête des mamans. C'est jusqu'à minuit, hein, la fête des mamans, bien sûr. Hein. J'espère que vous avez bien profité avec vos enfants, que vous avez été bien bien gâtés. Attention les enfants, je vous ai à l'œil. Et vous me direz ce que vous avez eu en cadeau. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez eu en cadeau. Même vous pouvez me mettre en photo, pourquoi pas. Je serai ravie de voir vos cadeaux. Et voilà, voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. À demain, bisous. Ciao.